Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Shadow of the Tomb Raider. Donc comme je vous l'expliquais la dernière fois, j'avais des problèmes des packs audio qui manquaient. Alors effectivement, j'ai fait une mise à jour du jeu et les packs audio des DLC ne s'étaient pas téléchargés, je ne sais pas pourquoi. Du coup j'ai dû les télécharger, enfin j'ai dû même les télécharger à la main parce qu'ils n'avaient pas été téléchargés par le jeu, donc c'était très bizarre, j'ai pas compris. Enfin bref, maintenant a priori ils doivent être installés, donc on va pouvoir avancer et faire ce DLC. Ok, donc là c'est fermé, là on saute, hop, ok, oula. Ok, faut juste que je descende a priori. Clac. Hop. Là, on avance. Hop là. Ok. Là, on peut passer là. La vallée des dieux singes. C'est une faille gigantesque. Elle a dû s'ouvrir il y a des siècles. L'endroit idéal pour disparaître. Et c'est justement ce que les singes jumeaux voulaient. Je me rappelle plus du tout de quoi il était question. La voix de la peur, trouver le souffle blanc. Ok. On était où là? Ah oui, on était dans l'espèce de village, on était passé je sais pas où là. Ouais, dans une grotte là, ok, on s'en souvient. Ok. Il y a plusieurs passages. Ah ouais, donc du coup en fait ça mène tout au même endroit, j'ai l'impression. C'est juste que il y a plusieurs passages pour y accéder. Comme ça on choisit un peu notre chemin. C'est pas mal. Oula. C'est pas mal du coup parce que ça change un peu de ce qu'on avait dans le jeu ou dans le jeu. Cet endroit tombe en morceaux. Exposé comme ça sur la falaise. C'est incroyable qu'il reste encore quelque chose. Ouais, carrément. Ah. Un truc à lire, bon, j'ai pas envie de le lire. Hop. Alors là on peut descendre en bas ou alors on peut passer par là-bas. J'ai bien envie d'aller là-bas moi. Hop. C'est quoi déjà? Je ne me rappelle plus des touches. Non, c'est pas ça, il faut appuyer. Ok. Ok, ok, ok. On va pouvoir passer par là, non? Ouais. Ok. Bon. Allez, on va pouvoir continuer. Pareil, là j'ai l'impression qu'il y a deux passages. Soit on passe par en bas et après on escalade. Soit on passe par en haut. En faisant... Non, raté, d'accord. Ok, bon, tant pis, je suis tombé. Là, il y a un truc qui tourne. Ah, il va falloir s'accrocher. Ok. Donc il va falloir s'accrocher quand... Le truc blanc est là. Oh là là. Ok, on remonte, please. Ok, là pareil, on va devoir sauter là. Ok, très bien. Là, est-ce qu'on peut monter? Non. Où est-ce qu'il faut que j'aille là? Je peux faire le tour? Non, je peux pas faire le tour. Ouais, il faut que j'aille à gauche là? Je crois pas, j'ai pas l'impression. C'était peut-être pas là qu'il fallait aller. Non, je peux pas sauter là. Là, y a rien. Ah si, ok, d'accord. Ok. Waouh! Ok. Waouh. Ah, c'est chaud. Hein. Faut pas se rater là. Ok, j'appuie sur la molette sans faire exprès. Là, il faut vraiment pas se rater. Ces statues sont gigantesques. C'est forcément une porte à franchir. Des statues? Ah oui, là. Ok. Une porte à franchir. Tiens, il y a un truc. Là, on peut aller à. Ah non. Ah, raté. Zut.
tomber. Ah non, mais on reprend de loin, oh. Mais eux... Et là, on pouvait pas faire... Non. Oula. Ok. Lara a fait un joli petit roulé-boulé. Ok. Là, j'ai un peu peur de me rater à chaque fois. Ouais, ouais, si j'avais pas fait le E, là... Enfin, le truc pour lancer le grappin, je pense que j'y serais pas arrivé. Ok, donc là, on avait fait comme ça, on avait dit... Ah oui, là... Faut pas se rater. Ouh là là. J'ai fait appuyer trop tard pour la barre d'espace. Là, faut penser à se raccrocher aussi. Ok. Unaan et Uncheven, ces statues sont gigantesques. C'est forcément une porte à franchir. Ouais. On peut descendre là, a priori. Encore une fois, hein, comme d'habitude, les décors sont fantastiques. Alors, j'avais un problème de calibrage de mon écran à l'époque et j'ai l'impression qu'il est de nouveau là. C'est très bizarre. Les noirs ne sont pas très très noirs. Enfin bon, ça ira bien, on va dire. Alors là, je dois pouvoir lire. Non ! Non ! Mais non ! Mais non ! Putain. Pourquoi elle pouvait pas monter sur le truc en face là ? C'est quand même chelou ça. Là, là, elle doit bien pouvoir y aller sur ce truc là, là. Forcément. Ben voilà. C'était pourtant pas compliqué, bordel. Ok. Ouais, donc c'est ce qui me semblait. Donc là, il y a un autre passage pour arriver par ici. Là, il n'y a rien. Ok, donc c'est pas par là. On dirait une turbine en bois. Mais elle a l'air coincée. Je me demande ce que cette turbine alimente. Une turbine en bois. En tout cas, on peut aller là-bas. Aussi. On va voir ce qu'il y a là-bas. Ok, donc là il va sûrement falloir remettre en route le mécanisme. Ouais, j'ai l'impression que mon écran de jeu est pas ouf. Ah là il y a une corde qui bloque le truc. Ok, ça va leur faire tourner du coup je parie. Ça a marché. Voilà. La turbine doit profiter du vent de la vallée pour alimenter une sorte d'instrument. Un instrument? Ok, ça tourne tout là. Là, il y a un truc à ouvrir. Ok. Un mécanisme. Clac. Ça met la pression dedans. Non, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, il y a un temps. Ok, non, bon. C'est extraordinaire. Waouh. Pourquoi Unaan et Uncheven auraient construit cet endroit? Oh, la méga statue là-bas. Ok. Très plateformeur là. Ok. Bah là on va sauter. Ok, j'ai l'impression que je vais me faire écraser la gueule là. Waouh, il y a des pics là non? Ouais, il y a des pics, ouais. Donc là... Allez, on se dépêche. Voilà, sinon les pics... Oula! Oh merde! Zut. J'ai l'impression que c'est un peu chaud là. Ce qu'il faut faire. Ok, je suis tombé. Encore une fois, fantastique. Je peux peut-être aller en bas là. Il y a des trucs à mettre en bas là, ici là. Ah non, c'est pas cela. Il y a celui du bout en premier là-bas, a priori. Ok, donc là, check les pics. Ok, les pics. Les pics, on se dépêche, on pousse celui-là en premier. Hop, on s'enlève parce qu'il va y avoir les pics. Ok, je sais pas ce que ça fait là.
J'ai aucune idée de ce que ça a fait. Donc là déjà, quand il y a les pics, on peut rien faire. Là, passer là-haut, ça me sert pas grand-chose, j'ai l'impression. Ah si, maintenant je peux aller de l'autre côté là-bas, ok. J'ai rien dit. Je dois pouvoir aller à droite aussi. Non mais... Oh putain. Pourquoi elle est tombée là? J'ai sauté, bordel. Bon, on recommence. Allez. Est-ce que ça va le faire là? Est-ce que je vais avoir le temps? Avant que les pics arrivent, ouais, c'est bon. Ok, allez, on recommence. Tac. Là, prendre l'élan. On attend que ça s'est tombé. On saute. On saute. On saute. Et on saute. Voilà. Ok, donc là, on peut aller accrocher ça. Voilà. Là, il n'y a rien. Si, là, on doit pouvoir y aller. Quand il y aura le truc qui va... se lever là. Ok, mais il se lève pas, évidemment. Voilà, là il y a un truc avec des pics, attention. Voilà. Il faut faire gaffe à tous ces pics. Hein. On s'enlève vite. Là il y en a d'autres, là des pics, des trucs à pousser. Voilà. Hop, ça va faire sortir une tête aussi. Ok, donc là on va pouvoir aller retourner traverser là-bas, sauter ici, sauter là. Et aller là-bas, je pense, après. Ok. Là, est-ce qu'on peut aller là? J'ai l'impression, ouais. Oui, ça le fait. Ça le fait. Ok, donc là, faut aller là maintenant. Allez. Hop, on vient ici. Ok, donc là, il y a ces espèces de trucs qui vont m'écraser si je fais pas attention. Ok, donc on est passé là. Donc là, on peut aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a un truc à pousser là-bas. Waouh, j'ai l'impression qu'on va faire des allers-retours un peu partout. Comme d'habitude, c'est très joli. Là il n'y a rien. Ok, on va là. Hop. Bon, faut pas tomber là à mon avis parce que j'ai l'impression qu'on recommence à chaque fois du début. Ok, donc là il y a un truc, on va attendre que les pics soient sortis. Ok. Hop là. Donc ça, ça a dû activer ce machin là. Non, pouvoir retourner au début pour venir là, faire tchac tchac tchac. Attention les pics là. Il y a ça qui s'active là-bas ou pas? Non. Ah, parce qu'il y a un truc ici. Ok, on va attendre. Ça, ça va sûrement réactiver ça. Va falloir faire tout demi-tour à l'envers. Ah, c'est pénible ça. Je sens qu'on va le faire plusieurs fois en plus. Ok, donc là a priori je peux pas monter par n'importe où. Donc il faut que je fasse le tour. Là j'ai pas l'impression que je puisse aller là-bas. Non ouais, là faut que j'aille là-bas, il y a un truc. Là il y a une ficelle, mais j'ai l'impression que c'est pour faire tourner ce gros machin après de l'autre côté, ouais. Je pense. Ok, donc là on revient en arrière. On revient complètement en arrière. Hop. Je peux pas passer là-dessus. Fantastique. Ok, donc là faut juste que je remonte là-bas maintenant. Allez. Hop, saute. Voilà. Donc là on va attendre que ce machin se déclenche.
Voilà, hop. Hop, hop. Hop. Normalement, on peut faire une pause ici. On va attendre un peu. On prend notre temps, on va pas se presser. Voilà. Hop. Pareil, là, on va faire une petite pause. Histoire d'être tranquille, d'être serein. On a fait la moitié, j'ai l'impression. Hop là, voilà. Donc là, il y a un truc qu'on peut tirer. Là, il y a ça qu'on peut tirer. Ok, ouais, donc ça, effectivement, ça va nous donner accès ici. Ça tourne tout seul, ça? Ouais, ok. Clac. Voilà. Comme ça, on le ramène ici. Et ça bouge plus. Très bien. Là, on peut aller nulle part. Ouais, là, ça le tire plus, on est d'accord. Donc là, maintenant, on peut venir là. Là, on peut aller là-bas, je suppose. Pou, 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 pou. J'ai eu peur, là, pendant une seconde. Bah là, on n'a pas le choix, faut descendre ici. Ok. Ah. J'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Avec quoi est-ce qu'il faut que j'accroche ce truc? Là-bas? Ok. Non, 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 non. C'est un échec. Encore une fois, c'était pas par là. Dommage. Dommage. Ouais, donc là, c'est par en dessous. Mais c'est donc pas là qu'il faut aller. Alors là, je suppose qu'on peut faire ça d'abord. Et le tirer ensuite. Oui, oui. Ok. Voilà. Donc là, on peut tirer sur ce poteau là-bas. Voilà. Est-ce que je peux me pendre à ce truc-là, non? Je peux pas me pendre à ce truc-là. Ah tiens, on peut descendre en dessous, là. C'est drôle, ça. Ça sert à quoi? Ok, bon. C'était pas évident de faire ça, mais... Ok, là, il va falloir retourner en arrière à tous les coups. Certainement. Si on nous fait casser ça, c'est pas pour rien. Ah oui, j'ai compris. Ok, donc là il faut revenir en arrière. Oula! Non, attendez, là on est revenu où là? Ok, on est revenu ici. Est-ce que là on pourrait pas aller directement là-dessus? Si. Ouais, ça passe. Du coup, maintenant il faut aller là et il faut couper cette corde. Clac. Voilà, comme ça, ça. Ça va enrouler ce machin là, non? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, il va falloir l'accrocher à l'autre. Est-ce que là, il va pas falloir faire un truc du genre ça? Genre, je coupe là. Attendez, punaise. Alors là, je coupe là. Ok. Je remonte. Non. Non, 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 non. Remonte, s'il te plaît.
Hop. Là, je reviens là-bas. Voilà, le truc repart là-bas. Maintenant, ça, je vais pouvoir l'accrocher là-bas, non? Non, même pas. Zut. Du coup, je suis bloqué maintenant. Ha ha ha. Zut. Je suis complètement bloqué, non? Maintenant, je peux revenir par là-bas. Ah non, faut que je refasse tout le tour. Ah, il y a un poids là. Qu'est-ce que c'est que ce poids là qui est ici? Il y a des trucs en dessous aussi. Je peux couper cette corde là, non? Je sais pas ce que c'est ce poids. Ouais, cool. Faut que je refasse tout le tour. Bordel. Non, faut que je refasse tout le tour. Et si je meurs, genre, ça me ramènerait pas juste avant? Ce serait plus facile. Ah non. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors là, je ramène ma caisse là-bas. Donc là, d'ici, on est d'accord, je peux pas attacher ce truc-là à ce truc-là. Pas possible, je pensais, mais non. Donc là, on tire ça. Voilà. Ça, il faut pouvoir le tirer là-bas après. Encore plus. C'est quoi qui bloque en fait là? Il y a un truc qui bloque ça? Non? Est-ce que c'est bloqué cette grue là? Faut qu'on la fasse tourner par là-bas. Pourquoi on peut pas la faire tourner plus? Ah! Ok! J'ai compris. Voilà! Oh là là! Ok! Bon! Bien. Ça revient pas en arrière, ça, rassure-moi. Si. Non, c'est bon. Ok, ouf. Là, on vient là. Très bien. Ok, donc maintenant, je suppose qu'on choisit du côté où on va. N'importe, on arrive. J'ai l'impression qu'on arrive au bout. Allez, on va attendre. Hop. Clac. 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 Oula. Oulala. 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 On va voir ce qu'on a. J'ai eu peur là un peu. C'est quoi ça? Oh, c'est des méga tambours ça. Et ici du coup, c'est fermé. Ah, il y a un truc à faire là. Ah yes. Clac. Le souffle blanc. Le souffle blanc. Le souffle blanc crée un nuage de vapeur hallucinogène à l'impact des flèches terrorisantes. Ok. Très bien. Nouveau tombeau terminé. Hurlement des dieux singes. Ah, donc ouais, ça me TP carrément. C'était un donjon DLC. Et du coup, où c'est que ça va m'emmener? C'est pas ouf, ça, ils auraient pu prévoir un truc... qui nous ramène quelque part et un raccourci ou n'importe quoi. C'est un peu dommage, sachant que tous les autres donjons c'est assez dans la continuité. Ah oui, ouais, d'accord, on revient carrément ici quoi. D'accord, bon. Bon, et bah écoutez, c'était un des DLC du coup. Donc il y en a comme ça. Une chier, je crois. C'est où qu'il faut aller voir? C'est pas là. Là.
Liberté, la voie de la peur. C'est tous ces trucs-là, là. Le grand caïman, le pilier, trouver l'entrée de la voie, voilà. La récompense éternelle, cœur des serpents, le dragon et le prince, la forge, le cauchemar. C'est pas celui que je viens de faire, ça, le cauchemar? Ouais, si. Retournez voir Uchu. Attendez, c'était où? Retournez voir Uchu. Il est où Uchu? C'est qui Uchu? C'était un de ces deux-là, non? Je sais plus. C'est pas lui Uchu? Non. Je sais pas qui c'est Uchu, moi. Je sais pas qui c'est, moi, Uchu. Attends, le cauchemar. La voix de la peur. Retournez voir Uchu. Alors il est là un petit peu sur ma gauche. Petit peu sur ma gauche. Ouais. C'était où? C'était lui là? Non, c'est pas lui Uchu. Me semblait que c'était lui Uchu. Non? Content de te revoir. Hey, est-ce que tout va bien? Ça va. Ah donc c'était ça. Elle l'a trouvé. Tiens, le souffle blanc. Voilà. Étrange, tellement petit et en même temps si puissant. J'espère que ça donnera un bel avantage à la rébellion contre Amaru et son culte. Tu sais comme moi que ce sera le cas. Uchu, tu nous dois toujours une histoire. Parce que j'ai du mal à voir le rapport entre cette recette et ta cicatrice. Je sais pas vraiment s'il y a quelque chose à dire. Ok, donc là on a bien les paroles maintenant. Ouf. Ok. Poney à terre, un nouvel équipement acquis, un design primaire adapté à l'escalade, machin, je sais pas quoi. Ok, un nouvel équipement acquis, un point de compétence. Ouais, donc c'est pour débloquer des trucs cosmétiques. C'est incroyable comme Etsli a changé en si peu de temps. Oh, j'ai 11 points de compétence. Ok. Sur une branche, on n'y est jamais. Ajoute un emplacement pour les fusées éclairantes à tous les pistolets. Mettre le feu aux ennemis sans protection. Ok, souffle du boa. Mission étourdissante. Montant, ouais. Flèche à pas. Ça, c'est des balles, hein, on est d'accord. Hein. Piège de la vipère. Fabriquer un piège avec APA sur le corps d'un ennemi, atterrir un ennemi proche. Ouais, ça, on peut prendre ça, c'est pas mal. Ok, on va prendre ça aussi. Voilà. On va prendre ça aussi. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Fabriquer des grenades empoisonnées. Bof. Mes immunités sans protection avec une contre-attaque et pas une esquive. Non. Les plans d'endurance, on s'en fiche. Les effets des flèches terrorisantes, on s'en fiche. On les utilise jamais. Activer sans visuel quand Lara visite une tête d'un ennemi. Bon, vas-y, on prend ça. Ça fait quoi? Les plantes, on s'en fiche. Cette survie dure plus longtemps après que Lara ait mis un... Ouais, allez, on va faire ça aussi. Voilà, on a claqué tous nos points de compétence presque. Ok. Ok, l'inventaire. On a débloqué un nouveau piolet. La différence. Ah oui d'accord, il est un peu plus sombre. Ouais, oh, bon, on va garder celui-là. Le couteau sans l'améliorer, le pompe on a pris celui-ci. Qui est full amélioré. Ça, on a une nouvelle arme. Non, on garde celle-là de toute façon.
Ok, le pistolet séparé, on a le silencieux, donc on va pas s'embêter. Accessoires. Ah oui, donc ça c'est le machin, le truc aveuglante. On a tout mis de façon. Hein. Ouais, d'accord, les autres pistolets, je peux. Si je les améliore, ça change pas grand-chose, je crois. Alors lui, il a l'air plus efficace. Ah oui, mais lui, voilà. C'est un truc d'un DLC, ça. Tous ces trucs-là. Quand il y a ce symbole. Ok, donc on s'en fout. On s'en fout. Hop. Est-ce que j'attaque un autre DLC ou est-ce qu'on continue l'histoire? Sachant que l'histoire, on est quasiment à la fin. Je sais pas, je suppose qu'il doit rester. Il va me rester un ou deux épisodes peut-être sur l'histoire. Je pourrais tenter un autre DLC. Retour à la maison. Récompense éternelle, le cœur du serpent. Ouais, remarque si c'est juste pour avoir des trucs. Des trucs. Comment ça s'appelle? C'est tous les défis. C'est juste pour avoir des trucs cosmétiques. Franchement. C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est fini? Ah oui, ça veut dire que c'est fini. Venez dé... Ah ouais, ça c'est des quêtes annexes. Ok. Libération. Mission secondaire. Ah mais ça c'est toutes les missions secondaires. Ok, et la mission principale? C'est où la mission principale? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Objectif actuel. Ouais, je pense. Ok, donc on va sortir de la grotte. Et on va partir sur la mission principale. D'ailleurs, je vois que ça fait 32 minutes qu'on tourne, donc on fera ça la prochaine fois. Donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite. Et sûrement bientôt la fin de ce let's play. Allez, salut à tous, ciao! Attendez, je me suis gouré de touches. Allez, je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao!